les récents événements en Afrique, notamment dans la sous-région des Grands Lacs au Gabon, est une preuve sans faille d'un vent nouveau qui souffle sur le continent et qui emportera tous les dictateurs qui oppriment leur peuple. Nous sommes à l'heure du verso. Si le régime gabonais en a fait les frais, celui du dictateur Denis Sassou Nguesso n'en échappera pas. Christelle Sassou Nguesso, née d'une mère zaïroise, qui dit à qui veut l'entendre qu'il est le futur président de la République du Congo, considérant ce pays comme un legs familial, risque gros. Nous appelons à un sursaut patriotique. Nous appelons à la conscience collective, à une prise de conscience collective des filles et fils de ce pays, afin de reprendre ce qui nous a été volé par un homme et son clan, Denis Sassou Nguesso. Jusqu'où allons-nous accepter une telle injustice? Denis Sassou Nguesso et sa famille sont en train de vendre notre pays au Rwanda. Un exercice qui risque de créer une véritable instabilité dans le pays, un jour ou l'autre. Il suffit de voir ce qui se passe au Congo voisin pour en mesurer les conséquences. Nous appelons les forces vives de la République du Congo de se joindre à nous. Un coup d'État est toujours possible. Denis Sassou Nguesso partira, tôt ou tard, et nous y travaillons d'arrache-pied. Denis Sassou Nguesso, nous allons t'épingler et mettre la main sur les milliards volés et cachés dans les paradis fiscaux. Tous tes réseaux seront démantelés structurellement et nous y travaillons. Nous venons de vendre ton jet privé. Un coup d'État en République du Congo pour chasser Denis Sassou Nguesso est toujours possible.